Michel? Michel, je crois que t'as... Non, t'es calmé. Ok, très bien. Bonjour à tous et à toutes sur le c'est bienvenue pour enfin la suite de Neverwinter Nights 2, ce qui a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, mais c'est bon. C'est bon, ça va mieux. La dernière fois, si je me souviens bien, on a combattu plein plein de trucs. Voilà, je regardais sur les quêtes d'eau profonde. On était là. On a retrouvé la patrouille perdue. Ça, c'était l'avant-dernière fois. On a ramené le commandant. Et surtout, on a combattu les. Ah, les. Comment ça s'appelle? Le clan de Briscrane. Surtout. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et malgré en fait tout ce bordel là de chapitre 1, nous avons cette quête ici, vu qu'on a aussi ramené l'émissaire de l'Aknoa, d'eau profonde plutôt, malgré le fait qu'il y a eu un premier émissaire qui était en fait un faux, mais finalement on a trouvé le bon. Eh bien nous allons enfin partir à Pas d'hiver pour. Enfin, parce que je vous rappelle, c'était ce qu'on devait faire depuis un très très long moment. Alors déjà, je m'en occupe même plus parce que ça m'énerve, c'est un problème de zone. Alors il faudrait que je vende énormément de choses aussi. Mais surtout, on va pouvoir enfin, je l'espère, accéder à Eau Profonde, le quartier d'Eau Profonde de Lac Noir. Je suis en train de tout m'emmêler, je m'en excuse, mais le quartier de Lac Noir qui, je vous le rappelle, et là où on doit aller depuis un très 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 long moment et plusieurs heures de jeu avant de pouvoir y aller, c'est un petit peu long. Là techniquement, le temps que j'ai mon papier, les mecs de Lac Noir auraient pu faire n'importe quoi. Mais d'abord, vous le savez si vous le savez, il faut que j'aille vendre mon bordel. Non, ils veulent vraiment pas venir sérieusement là. Ah, si. Quoique, non, peut-être. Ça, c'est un problème ça. Il y a des zones qui suivent et d'autres zones ils suivent pas. Donc, moi, j'en attends même plus. Il y en a un qui me suit, tant mieux. Et puis le reste, tant pis. Alors attends, faut que j'aille. La planque, ça faut que je... La planque, je pourrais la refaire, je pense. Marchand, là-bas. En même temps, je pourrais racheter des potions. Hop, matériaux d'artisanat, c'est pas grave, hein. Ils vendent des trucs, ils vendent des machins, ils vendent des potions surtout. Ils vendent des potions, mais moi, je vais surtout te vendre du bordel. Comme d'hab, allez, vous savez, vous connaissez la musique, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, après un petit moment à chercher sur les internets, il se trouve que le petit bug que j'ai eu, c'est un bug qui est connu. C'est un bug qui est connu, qui devait être a priori patché, mais ça n'a pas été fait. Et donc, il faut user de l'ordre que vous voyez ici. Je prends par exemple Kara. Et je peux soit lui parler, soit lui donner un ordre. Et à chaque fois, c'est tenir en position, attaquer le plus proche, me protéger, me soigner. Ou Suivez-moi. suivez-moi. D'accord, je m'en charge. Et d'un seul coup, vous voyez que c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. C'est assez étrange. J'ai vu plein de gens qui c'est arrivé. Semblerait-il, après une scène scriptée. C'est quand même un petit peu bizarre et il faut faire ça de ce que j'ai vu à peu près. Bah, ah, si, c'est bon. Non, c'est bon. Ils ont compris. Ok, donc, la quête. Bienvenue, lieutenant. Qu'avez-vous à nous rapporter? J'ai retrouvé l'émissaire. Vous avez bien agi, lieutenant. J'ai eu raison de vous faire confiance. Au nom de Pas d'hiver, je vous félicite pour vos efforts. Vos efforts dans les docks ont grandement amélioré la position de la garde, mais ils ont également attiré de nouveaux prédateurs. Des prédateurs de Luskan. Luskan est l'un de nos voisins les moins bienveillants. Nous avons déjà rencontré des problèmes avec eux. Une guerre, en fait. Inutile de faire attention à ce que l'on dit à leur sujet. Mais ces pleutres de Luskan,
essaye de tirer avantage de votre succès dans les docks pour infiltrer des espions en notre sein. Nous avons entendu dire que l'un de leurs agents compte entrer dans le port sur un navire marchand de Luskan. Le Spectre. Vous devez entrer dans les docks, aborder le Spectre et arrêter les Luskaniens. Revenez quand vous aurez accompli votre mission. Ah, ouais, mais... Et c'est quand que je peux enfin avoir le pass pour le quartier de Lac Noir? Les corps des Grimantels sont-ils aux mains des prêtres de l'ombre? Non, Seigneur. Il y a eu des complications, quelques aventures. Tu oses te présenter à moi malgré ton échec? Je t'ai demandé de veiller sur les prêtres. Sans eux, il n'y aura pas de rituel. Tu n'avais qu'à maintenir la pression sur les troupes de Pas d'Hiver, couper leur route d'approvisionnement dans les montagnes. Mais tu n'as réussi qu'à donner de l'espoir à Pas d'Hiver, et une victoire au fond à l'effray, qui va leur permettre de se concentrer sur d'autres fronts. Forlock et Grand Roche sont toujours nôtres, Seigneur Garius. C'est là que Pas d'Hiver va concentrer son attention, pas sur nous. Oui, Forlock et Grand Roche. Visiblement, tu n'as pas écouté. Notre position n'est pas renforcée, elle est affaiblie. Et maintenant, tu viens m'annoncer que le fond à l'effray est perdu et que les prêtres sont morts. Peut-être vais-je t'autoriser à en informer personnellement le roi des ombres. C'est ce que tu veux, Lorne? Seigneur Garius, pardonnez-moi. Cela ne se reproduira pas. Je le jure sur ma propre tête. C'est bien ta tête qui est en jeu. Le grand Lorne mis à mal par un simple mercenaire. Tu perds la main, on dirait. Ravale ça tout de suite, Torio, ou je t'arrache la langue. Il ne m'arrêtera pas deux fois. Oh, je n'en doute pas, Lorne. Avec un peu de chance, la prochaine fois, il te tuera. Ok, petite scène sur le point de vue des méchants. Très intéressant, cependant. Bien. Alors, le quartier des docks, ici. Oh, ils me suivent. Oh, ça fait bizarre d'enfin être suivi. Ça fait très très bizarre. Alors, je veux le... Bah oui, le quartier des docks. Please. Alors, j'ai passé 10 minutes sur le survent de mon bordel et 10 minutes à chercher une solution. Quand même que je vous le dise, comme ça vous savez si jamais vous avez un problème vous aussi à cet endroit. Je me demande si ça a été patché dans la version Unsaid. Alors, il faut trouver où c'est qu'ils arrivent. Normalement, si la bagarre maintenant, moi je suis prêt. Ah oui, j'étais... Ah oui, non, oui, voilà. Je me disais aussi, tiens, c'est bizarre, la map est un petit peu rétrécie. Je pense quand même qu'à mon niveau actuel, et maintenant que j'ai un peu plus de connaissances sur le jeu, je pourrais... Ah, une brute. La bagarre, c'est la bagarre. C'est la bagarre. On peut se les faire, hein. On peut se les faire. Bon tour, ah yes. Voilà, c'est bon le garde. Ah c'est bien ça, un vrai combat. Un bon combat même. Et il continue de suivre. Est-ce que... Oh oui, comme avant. C'est parfait, je pense oui, je reviens. Je pense que la quête de Nishka... ça va être une des choses à faire, et aussi le passage avec Point d'Anel. Oh là là, mais yes. Non, alors Nishka. Pas Nishka. Voilà. Là. Il en reste deux, et puis c'est tout bon. Ah, elle est gelée. Elle est gelée, oui.
Les brutes sont quand même encore assez puissantes. Bon, ça fait toujours un tout petit peu d'XP. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est ? La thune. Ah oui, alors, je... Les ennemis sont proches, vraiment. Faut encore que je fasse tout le... Ah oui, d'accord, une brute. Bah, suivez-moi. Ah, merde, non. Oui. Pardon, excuse. Elle est où la brute? Ah, il veut que j'ai pris la... Oui, je crois qu'il veut que j'ai pris le contrôle de... d'un de mes compagnons, l'ordre a dû être annulé. Ah non, elle est sous l'effet d'une potion ou d'un sort. Ouais, par contre, faut que je recharge ses sorts après. Non mais c'est bien ça, des combats qui se passent... Bah comme ça, ça aurait dû se passer les autres fois. Est-ce que je peux me soigner du coup? Ah non, il continue de me suivre. Parfait. Du coup, repos pour que Kara reprenne ses sorts. Le bateau, à mon avis, ça va être par là. Parce que oui, à bord du navire, ok. Oui, bah je vois qu'un seul navire et c'est... Ah, il y a aussi celui-là, là-bas, mais moi je suppose que c'est celui-là. Un des deux. Plus celui-là que celui-là, vous voyez. Ah bah voilà. Quittez le navire immédiatement, c'est le spectre. Aux apôtres approchés, quittez immédiatement à ce navire avec un fait voile depuis le scan. Les difficultés avec Ruatim empêcheront le navire de combien de... Que faisiez-vous à Padiver? On n'avait pas votre mot à dire. Ah d'accord. Oh, mais vos arbalètes. Ah, par contre, ouais. Arrêtez de bouger, messieurs. Ah, des ennemis un peu plus forts. Des ennemis un peu plus forts et qui vont me prendre la petite Kara. Et un petit chat là, il regarde. Pépère. Si vous pensez vous donner, vous faites grave erreur, détruisez-les, mais ne touchez pas au bateau. Ah. Ah mince. Oh, phase 2. Je vais prendre Kara et. Celui-là. Voilà. Ah, il y en a d'autres? Il y en a d'autres, ouais. Oula, c'était un boss, ok. Aïe, elle est touchée. Aïe. Molosse d'ombre, what? Sur le molosse, ouais. Passe par derrière, voilà. Oula! Mais fais quelque chose toi! Ah, puis j'ai pas sauvegardé depuis un moment donc je suis en train de me dire. Ah, ça va peut-être passer. Non, ça aurait dû passer, zut! C'est moi, j'ai mal géré. J'ai très très mal géré. Oh, mais attends, non, attendez, il y a une auto-save. J'ai trop mal géré, c'est ma faute. Faut que je prenne Kara impérativement. Attends. Ouais, celle-là. Ils me suivent toujours malgré... Oui. Ah, ils me suivent, trop bien.
Bon, alors les bateaux. Les bateaux, je pense que ça doit être par là, à mon avis. Ah, des brutes. Go. Go les brutes. Ah, c'est comment le sort méga cool, c'est celui-là. Le méga sort de ouf. Bien. Super, ça c'est une bonne chose de faite. On va passer par là. Deux secondes pour... Mais ton sort là c'est quoi? Flèche enflammée là, hein. Ok. Suivez-moi. Ok, non c'est bon. J'avais cru que... Mais en fait... Ouais, quand même, il y a quand même 2-3 personnes, ouais. D'accord, je m'en charge. Yes, bien wesh les gars. C'est bon. Ah, vous êtes trop fort. Vous êtes vraiment trop fort. Ah, il y en avait un autre. Oh, il restait un dernier. Il restait même deux derniers. Oh, il a résisté. Allez, hein. Va falloir que je revoie son livre de sort à elle. Khedgar, il est en train de dormir là. Ah non, c'est bon. Je sais pas ce qu'il faisait. Bon, allez, c'est pas mal. Un petit coup de repos et je. Je pense que ça doit être ouais, le bateau là-bas. Je vais sauvegarder quand même parce que c'est passé pas mal de choses. Hop, et on y va. On y va. Les gardes, ok les gardes, tout va bien. Ah, oula, oh, il y a eu un petite surprise. Ouais. Sbire de la garde. Attends, la garde, ouais. C'est une ville ouverte. Ok, très bien. Et bah c'est la bagarre. C'est la bagarre. Bah, le sort. Ah non, au score, annule ton sort toi. Ah, voilà, sbire, celui-là. Ok, pas mal. Ah, d'accord. Ah oui, il y en a 4 qui viennent d'atterrir. Ok. Ok, d'accord. Ok, oh. Elle est morte. Mais dis-tu quoi? Mais au secours! Mais what? C'est honteux ce qui vient de se passer, monsieur le juge. Elle s'est fait défoncer sa tronche. C'était mais vraiment honteux. Suivez-moi!
Oh non, il a activé son petit malos. Non. Ah, il est où le chien? Oh non, Ikara, elle est vraiment dead de ouf. Ah, attendez, Ikara, je vais prendre Ikara. Et puis... Oh! Je peux honteusement tricher. Je vais me le permettre, tu vois. Honteusement, là, c'est de la triche honteuse. Hein. La triche est honteuse. J'ouvre la route. Contentez-vous de... C'est honteux, cette triche. Mais je vais pas m'en priver. Alors là, hors de question que je m'en prive. Hors de question que je m'en prive. Vous savez quoi? C'est mort. Allez hop. Tous sur le molos. Kara, hop là. C'était pas là mon sort, c'est celui-là mon sort. Quel gars! Hop là. Kara. Ah non. Oh! Merci. Il a pas énormément de vie celui-là. Ah mais ils vont tous brûler, sérieux. Aïe. Ils se soignent. Putain mais les gars, vous vous foutez de moi? Ah merde, j'ai plus de sort. Ah, ils sont tous dead, sérieux. Bon, eh ben, écoute, hein. C'est bon. Ah, je suis devenu Jimmy pour moi. Je me rends enfin de. J'étais votre proie. Moins de gaz de manière contrarier nos plans. Quoi dans le passe-passe. Les quatre temps des arcanes ne présentent toujours. Quoi? Garius. C'était scripté. C'était scripté, la saleté de toi. Ok, on va changer de plan. C'était scripté. Aïe, 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 aïe. Le salaud. Bah, décès. Bon, bah, pas facile, ce combat, du coup. Parce que le jeu, des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Bon, on va la refaire autrement. On va tous y aller. Kazavir ne me suit pas, donc Kazavir, tu me suis. T'es gentil, Kazavir, tu me suis. Et on va tous attaquer. Voilà. Voilà. Il va résister combien de temps lui? Ah, j'étais votre proie, alors ok, ça c'est bon, ok, go go go, suivez-moi vite. Hop là, c'est bon, et là on le réattaque, on le termine. C'est bon, il est mort. Bâton, collier, équipement de magie profane magistrale et leur construction. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris à ce que je viens de dire. Mais on va récupérer les objets. On va... repos, déjà. Qu'est-ce que j'ai récupéré là qui est tout bizarre? Alors, le bâton plus 2. Ouais. Kara, elle a quoi, elle? Ah bah donc plus 2, donc oui. Ça sert à rien.
Équipement de magie. Alors, les livres. Détails de recettes. Anneau des arcanes. Ah, ouais. Alors, un jour, je ferai peut-être des trucs comme ça, mais pour le moment, non. Non, au secours. Ok, donc, que dit mon journal? Vous avez vaincu. Ok, Brenna, très bien. Et bah, c'était une petite quête. Et bah, go Brenna, du coup. Go aller voir Brenna. Est-ce que j'ai pas une échelle? Ah, attendez. Je vais juste. Étant donné que j'ai un max de thunes, je vais voir si dans les échoppes, je peux pas acheter des potions. Parce que je suis un peu à rate de potions, là. Bon, je suis à rate de potions et il y a Jean-Louis et Jean-Mi là qui font n'importe quoi. Ah, il y en a encore deux là-bas. Voilà. Non, t'as encore envie, toi? Ah mais moi je voulais juste me rendre à l'échoppe, hein. Vraiment de base c'était ça le but. Juste ça, juste prendre un max de potions. Et c'est tout. Sand. George, Sand. Déjà de retour? Et dites, vous nous amenez une étudiante de l'académie? Plus maintenant, j'ai quitté l'académie. Trop difficile peut-être? Vous avez sans doute vos raisons, mais sachez que d'autres n'ont pas eu le privilège de choisir. Trop difficile? Je n'avais nul besoin d'étudier. Je savais déjà utiliser la magie. Oh, vous êtes une ensorceleuse. Une mage née. Qui est cet elfe? Il est plutôt insolent pour un marchand. Il ferait bien de surveiller sa langue ou je carbonise son échoppe. Mettez le feu au rayonnage, et la magie qui imprègne ce lieu vous videra de votre énergie jusqu'à la trame. C'est le pouvoir du siphon de Vantine. Si vous êtes familière du codex historique à son nom. L'histoire ne m'a jamais intéressée. Pas plus que les livres. Ah, attendez donc d'acquérir un semblant de sagesse avant de proférer vos vaines menaces. Bref, que puis-je pour vous? Je voulais acheter des trucs, en fait. T'as un problème avec Kara? Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas de médire sur quiconque se tient devant moi. Oh, ne vous gênez surtout pas pour moi. Je m'en voudrais de brider vos élans critiques. Je vous en prie. Cela ne rimerait à rien de s'étendre sur le sujet. Disons simplement que nous avons certaines divergences académiques. Oh là là. Qu'est-ce que tu as à vendre? C'était ça, mec. Moi, je voulais juste ça, en fait, mec. Alors, est-ce que t'as les potions? Potion d'aide. Ah, voilà ça. Ah, c'était ça qui me prenait 40 000 poids de ouf. Oui. Oui, tiens. Bah oui, non. Donc, du coup, on va revenir au quartier. On retourne au quartier, t'as vu? Pardon. Mais moi, je voulais accéder au quartier de Lac Noir, en fait. C'est ça que je veux faire depuis le début. C'est genre... Oula. Ah, le... Ouais. Excusez, c'est moi. Ils me suivent. Oh là là. Ça fait tellement bizarre. On va passer par là, on va revenir par le chemin. Et puis tout ira bien. Ah non, je vais tromper de chemin. Oh non, je me suis trompé de chemin. Ça c'est con. C'est très très con, je reconnais.
Hop, ici, et go. Nous avons entendu parler de votre succès sur le spectre. Toutes nos félicitations. En vous débarrassant du navire, vous n'avez pas réglé notre problème avec les Luscaniens. Mais vous leur avez nui. Et cela suffit. Et j'espère qu'aucun Luscanien ne vous a échappé. Ils sont souvent rancuniers. Tenez, en récompense de vos efforts. C'était une mission dangereuse et vous avez bien agi. Lieutenant, je viens de recevoir un message des Neufs. Ils pensent qu'il y a des assassins dans Pas d'Hiver et demandent notre aide pour les éliminer. Ils ont hésité à demander notre aide. Les incidents dans les docks ont soulevé des questions. Je ne pense pas qu'ils se fient tout à fait à nos capacités. Mais nous savons où ils se trouvent et je vous donne vos ordres. Rendez-vous dans le quartier des marchands et réglez la situation. S'ils représentent une menace pour Pas d'Hiver, je veux que leur présence soit supprimée. Allez vous préparer et revenez faire votre rapport quand vous aurez éliminé cette menace pour Pas d'Hiver. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'a donné? 800 de thunes. Ok. La pire chose après les Luscaniens, les Neufs, ok. Très bien. Alors par contre, je vais juste couper ici. Pour cette partie-là du record. Et je vous retrouve juste dans quelques secondes. Ne vous en faites pas. À tout de suite.